Bonjour à tous. Donc, je viens vous montrer un fourgon chaudière avec une commande digitale pour allumer et éteindre les feux rouges en fonction de la machine si elle tracte ou non des voitures voyageurs. Donc, là, j'active la fonction sur la Multimos. Voilà. Donc avec le décodeur de fonction. Et là, voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du fourgon. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que le fourgon... Très facile à ouvrir. Donc voilà. Donc ben, ici on voit les LED canon que j'ai réduit pour qu'elle passe dans les trous d'origine du fourgon chaudière. Donc là le décodeur de fonction ESU acheté chez tramodélisme.com. Et donc je vous montre dessous. Voilà. L'alimentation avec des lamelles Rocco. Alors, j'ai fait en sorte de ne pas abîmer le détaillage qui est sous le fourgon. Sauf ici, j'ai coupé juste une petite languette, mais bon, après, c'est dessous, ça se voit pas. Vous pouvez voir ici qu'il y a des lamelles doubles. Donc, ce sont des Rocco, mais elles existent également en triple. Donc, afin d'améliorer la prise de courant. Mais je pense quand même qu'il faudra rajouter un condensateur pour les micro-coupures, parce que malgré tout, ça, par moment, ça coupe un petit peu, quoi. Donc voilà. Alors, en fait, si vous voulez, voilà, ici, j'ai le A1A pour moi correspond au décodeur quand il arrive chez vous, quoi. C'est-à-dire en code 3. Et j'ai gardé ce code, en fait, A1A. Comme ça, il est réservé exclusivement au fourgon chaudière. Et avec la touche 2, moi, ça me permet d'activer l'éclairage sur le fourgon ou non, quoi. Et donc après, et ce qui fait qu'après, voilà, je change. Voilà, pour la. Je vais. Comme je l'associe à la bébé REE, qui est ici. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un petit truc sympa, quoi, qui permet de, en ayant le fourgon chaudière sur le réseau, de pouvoir l'éteindre, l'allumer à n'importe quel moment, en fonction de la loco, si elle tracte une rame voyageur ou pas. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Salut!